Salut à tous, c'est Moni. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un jeu indépendant que j'ai pris sur Steam gratuitement. Ça s'appelle Météore 60 secondes. Et en fait, on nous annonce qu'on a plus que 60 secondes à vivre parce qu'une météorite nous tombe sur la face. Et donc, on doit, dans plusieurs situations, décider de qu'est-ce qu'on va faire dans ces 60 dernières secondes. Et il y a plusieurs fins. Je sais pas si on va toutes les faire, mais il y a plusieurs fins. Donc, on va essayer d'en faire un maximum ensemble. Et j'espère que ce jeu va vous faire rigoler quand même un petit peu. C'est parti! Flash info. La NASA vient de déclarer qu'un astéroïde allait s'écraser sur la Terre et provoquer sa destruction. Étonnant, la NASA a également déclaré que nous n'avons plus que 60 secondes à vivre avant que la Terre ne soit détruite. Quoi? J'ai seulement 60 secondes à vivre? Après tout, je m'en fous de cette carrière de journaliste télé maintenant. Ah, oh, il s'est mis à poil! Oh merde, la gueule. Allez vous faire foutre, ouais! Ta maison. Quoi? Est-ce que la Terre va vraiment être détruite? J'y crois pas. Qu'est-ce que je devrais faire du reste de ma vie en seulement 60 putains de secondes? Est-ce que je peux faire tout ce que je veux même si c'est illégal? Et si je plantais un pommier? Comment te dire que c'est pas forcément la chose que je ferais si vous restez 60 secondes à vivre? Mais bon, chacun ses délires, hein, après, pas juger. Putain, j'ai pas le temps de penser à ça! Allez, c'est parti! Get ready! Donc, je peux décider de frapper les gens ou d'embrasser. Je peux embrasser ce chien. Voilà. Je peux embrasser cet homme tout nu. Je peux taper la poubelle et embrasser cet homme. Et taper celui-là. Voilà. En gros, c'est ça. Je vais faire un... Oh oh. Oh, il tombe amoureux, c'est trop chou! Qu'est-ce qu'il y a ici? Un laboratoire. Un mec avec une balle, viens, je le tape. Alors, j'ai pris sa batte. Et c'est là si je casse ça. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un bouton nucléaire. Cliquez dessus pour l'utiliser. Bah, je clique! Oh, j'ai... Ah bah... Enfin, je suis mort. J'ai vécu une belle vie. Je vois que du blanc autour de moi. Où suis-je? Au paradis? C'est fini, on se réveille! Hein? Où suis-je? Ah, oh, sérieux? Vous venez de passer un test diagnostique de personnalité qui inclut de la réalité virtuelle. Quoi? De la réalité virtuelle? Donc la Terre n'a pas été détruite? En effet, notre toute dernière technologie fonctionne comme dans Matrix. Cela vous permet de vivre une vie virtuelle en peu de temps. En analysant votre comportement, cela nous aide à connaître votre vraie personnalité. Elle doit pas être belle ma personnalité avec ce que je viens de faire. Enfin, je devrais aussi vous dire que votre famille a été témoin de toute la scène. Quoi? Maman, ma petite amie Jin-Yun et mon neveu de 5 ans? Vous étiez tous en train de regarder? Mon fils, je pense que c'était une bonne idée de faire ce test. Je suis d'accord, ce serait peut-être une bonne idée de l'isoler du reste de notre société, non? C'est le genre de personne qui fait du mal autour de lui quand il traverse une mauvaise passe. Utiliser une bombe nucléaire pour tuer tout le monde, c'est de la folie. Tonton, est-ce que tu pensais que c'était mieux de tous nous tuer vu qu'on allait tous mourir? Putain, dans la vie, je vais tuer des gens avant de mourir, comme toi, tonton. Ajout de la fin suicide collectif à la liste des fins. Ok, donc voici pour cette première partie, je vous ai tout de suite mis dans le truc, j'espère. En tout cas, moi je commence bien avec un suicide collectif, j'ai trouvé une bombe nucléaire, je me suis dit tiens, je vais appuyer dessus. Déjà, pour ma défense, est-ce que c'est normal de trouver une bombe nucléaire comme ça dans la nature? Enfin, elle était pas dans la nature, elle était dans un laboratoire, mais bon, voilà. Donc c'est un jeu comme Confess My Love, si vous avez vu ce jeu, si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur le petit i, vous allez tout de suite être redirigé vers cette vidéo. Et donc c'est comme Confess My Love et il y a plusieurs fins à faire. Et ici on a la liste de fins. Alors j'en avais déjà fait une pour tester le jeu la première fois. Donc j'ai tué plein de gens. La deuxième fin, suicide collectif. Explosion de météorite. Et on peut cliquer sur un indice pour voir comment faire. Donc vous voyez là il y a d'autres fins.
Et on va peut-être pas toutes les regarder tout de suite, on va essayer d'en découvrir ensemble quand même. Allez, on en fait une autre. Get ready. Allez, c'est go. Oh, ah, il nous tape tout de suite, lui. On peut pas passer, on va le prendre lui, là. On va lui prendre sa batte à lui. Voilà. Donne-moi ta batte. Voilà. Et lui, je vais lui péter la gueule. Oh merde, pas lui. Voilà, je lui ai pété la gueule. J'ai perdu 10 secondes à lui. Oh, salut. Oh merde, c'est pas toi. Elle lui fait un bisou. Oh, elle m'a mis une claque, la connasse. Tiens. Les amoureux, je vous aime aussi. On va casser ça. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un bisou? Comment on fait? Comment on fait pour dégager ce truc? Merde, il me reste plus beaucoup de temps. Comment on fait? Faut trouver un objet, je pense. Faut trouver un objet pour ça. J'ai cassé une voiture. Merde, désolé. J'ai pas fait grand chose d'intéressant dans cette partie. Comment il faut réagir? Mon fils, je pensais pas que tu étais comme ça. Tu es vraiment un moins que rien. Comment peux-tu encore te considérer humain? Oh, c'est peut-être parce que j'ai tapé plein de gens, quand même. T'es un psychopathe ou quoi? Je peux pas croire que tu aies choisi de tuer tous ces gens. Ouais. Je pense qu'on ferait mieux de se séparer. Ah. Tonton, pourquoi est-ce que tu étais en train de rire et de tuer tous ces gens? C'était drôle. J'étais là. Comme ça. Ah merde! Moi aussi je veux devenir un meurtrier trop cool comme toi quand je serai grand. Bah je me suis fait larguer, bon ça change pas d'habitude. Et donc j'ai eu la première fois que j'ai eu la femme meurtrier. Donc je pense que là on va faire tout simple, on va faire des bisous à tout le monde avant de mourir. Get ready. Ouais. Un bisou. Bon alors déjà c'est pas ce bouton là. On fait des bisous. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Bisou, bisou. Bisous le chien. Bisous la poubelle. Je suis obligée de taper la poubelle. Hein. Bisous toi. Bisous, bisous. Bisous. Bisous le chien. Ok. Bisous. Bisous, bisous. 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 Attends, je veux faire un bisou au mec, lui, là. Laisse-moi te faire un bisou. Ah, il a vomi carrément. Toi je t'aime aussi, toi je t'aime aussi. Je les rends malades les gens quand je leur fais des bisous. Si je... Ah, il est vénère, je sais pas pourquoi. Bisous. Paix sur le monde. Bisous. Paix sur le monde. Voilà. On a fait la fin. J'aime le monde et comme je sais que je vais mourir dans 60 secondes, je préfère faire des bisous à tout le monde. Mon fils, pourquoi as-tu embrassé tous ces hommes? Ah merde, j'ai fait des bisous à tout le monde, mais c'est compté comme le fait que j'ai fait des bisous qu'aux hommes et du coup je suis homosexuel. Ah ça, j'ai rien contre les homosexuels, mais du coup... mais du coup, ma meuf, elle va peut-être pas kiffer. C'était ce que tu as toujours voulu de faire avant de mourir. Ma maman sera toujours là pour toi, réjouis-toi, je te soutiens. Donc tu étais gay, ça a dû être difficile à cacher. Non, tu aurais dû m'en parler plus tôt. Je n'aurais pas gâché mon temps pour toi. Au revoir. Tonton, est-ce que c'est vraiment génial d'embrasser des garçons? Je suis curieux. Est-ce que ça marche comme ça? Smack, smack, smack. Pas obligé de mettre ta langue partout. Tu peux faire des bisous tout simple, hein. Bizarre, cet enfant. Demain, je veux aussi mettre ma langue dans la bouche des garçons à l'école. Monsieur, votre examen est fini. Il a donné un résultat imprévu. Je suis également de ce bord. Youhou, est-ce que vous voulez aller boire un verre? Ah merde. Trop marrant. Ah merde, et en plus je l'ai fait. Ah bah écoute. La fin coming out. Ok. Donc j'imagine que je peux faire la même chose mais en embrassant que des femmes. Merde, j'ai embrassé un homme. Bon, en même temps elle est en soutif la nana. Je veux dire, après, je lui fais un bisou, faut pas se plaindre, elle est en soutif. Ah merde, j'ai encore embrassé un mec. Oh putain, je me suis pris encore un pain, mon gars. Aïe. J'avais pas encore réussi à l'embrasser, celle-là. Voilà. Oh, oh, je veux prendre ses pains. Voilà, je fais deux bisous pour la peine. Je
pas le temps, moi. Ouais, je vais peut-être pas faire ça. Ouh, coucou, coucou, coucou. C'est de l'harcèlement sexuel. Alors, on a réussi. Mon fils, est-ce que tu as besoin de plus de bisous? Pourquoi as-tu embrassé ces filles comme ça? Tu semblais plus heureux que jamais. Tu devais te sentir tellement bien. Tonton, est-ce que c'est génial d'embrasser une fille? Je suis curieux. Est-ce que ça marche comme ça? Smack, smack, smack. Bah lui, il y va avec la langue, hein. Demain, je vais mettre ma langue dans la bouche de toutes les filles à l'école. Alors sache, mon petit, que ceci s'appelle du harcèlement sexuel. Mais bon, après, tu fais tes propres choix. Ah, elle est vénère. Viens là. Oh merde. Attends bébé, calme-toi, c'était de la réalité virtuelle, c'est juste un jeu. Je suis pas comme ça, je te jure, c'est un malentendu. Ne t'approche pas, non. Non. Oh. Oh, moi j'étais pas prête à ça. Oh, un petit moment touchant. Bébé? Ouais, t'as tout compris. Je savais que tu comprendrais. Je suis avec toi, je ne ferai jamais rien avec une autre fille. Je ferai encore plus attention à toi maintenant, j'avais tort. Oh merde. Oh putain, elle est flippante. Si tu avais tort, tu mérites de mourir. Oh merde. Non. Ah ouais. Ça a fait un cataclysme. Un cataclysme. À la gueule. C'est la gueule des mêmes. Tonton, t'es mort? Ah bah ouais, là, je crois, ouais. Ah, j'ai cru que c'était un moment touchant où la meuf, elle le prenait dans ses bras et elle lui disait « Je savais pas que t'étais autant en manque d'affection, je ferai plus attention maintenant. » Non, elle l'a quand même tué. Et ça, c'est grave, quand même. Mais bon, je peux pas lui en vouloir. Hein. Pourquoi j'ai encore ça? C'était un rêve d'un rêve, tu crois? Oh merde! Arrête, espèce d'idiot! Oh putain, j'étais pas prête! En fait, j'ai fini la fin avec ma nana qui me tue et je me suis re-réveillée encore. Et on m'annonce que c'est une simulation et apparemment, je l'ai plutôt mal pris. Ajout de la fin, 60 joyeuses secondes. Elle était pas mal cette fin, j'ai bien aimé! Je crois que j'ai une idée. Je crois qu'on va aller prendre l'arme au flic qu'on a vu là-bas. Vous voyez là-bas? Attendez, il faut que je prenne une arme. Donne. On va aller chercher l'arme. Je pense. Aïe. Bah, je fais comment alors pour passer? Tout à l'heure, je lui ai dit bisous, ça lui plaisait. Oh, j'ai dû le tuer, bordel. Ah non, en fait, fallait lui ramener la chienne. Ah bah voilà. J'ai pris l'arme. Et je vais aller menacer l'autre maintenant, si j'ai le temps. La meuf, elle est en soutif dans le train, normal. Ah bah voilà. Oh putain, on peut bouger. Oh, je peux esquiver la météorite au calme. Coucou. Et après, je fais quoi dans ma fusée? Évasion solo. En même temps, on peut pas vraiment m'en vouloir d'être parti en solo parce qu'il faut bien que je sauve ma peau. Et en 60 secondes, j'ai pas le temps d'aller chercher des gens. C'est logique. Je pensais même pas qu'on puisse s'échapper seul avec la fusée. Oh mon dieu. Non, réveille-toi, mon fils. Je pensais que tu étais monté dans la fusée pour faire exploser la météorite. Ah! En fait, on peut foncer dans la météorite et se sacrifier pour détruire la météorite. Et tu l'as prise pour survivre seule. Je pensais pas que tu étais si égoïste. Je pense que l'on ferait mieux de se séparer. Ouais, c'est encore un confesse my love, quoi. La meuf va nous quitter quoi qu'il arrive, en fait. Oh, je comprends, il n'y a rien de plus important que sa propre vie, n'est-ce pas, tonton? Eh ben oui! Ça fait quoi? Je suis d'accord avec ça! Quand tu vas mourir, autant sauver ta vie! Après, bon, est-ce que le mieux dans ce cas-là, c'est de se sacrifier, de détruire la météorite et de sauver le monde entier?
ou de rester dans ta fusée jusqu'à ce que tu crèves parce que t'as pas de vivre ni rien. Ok, donc maintenant je sais que je peux refaire la même, mais me taper la météorite en pleine gueule. Fais-moi ta batte. Voilà, on va faire des bisous au chien. Comme ça, il va venir avec nous. Parce que j'ai pas envie de faire du mal au chien, par contre, ça me fait chier. Voilà, il va tomber amoureux. Ça marche, toi, donne-moi ton flingue. Voilà. Putain, on peut en reprendre une autre batte. Voilà, on y va. Allez, hop, hop, hop. Excusez-moi, je dois sauver le monde. Excusez-moi, s'il vous plaît, je dois sauver le monde. Je vais vous sauver tous, alors s'il vous plaît, quand même. Voilà. Ah, et lui aussi s'est sacrifié pour le bien du monde, hein. Et on se prend la météorite en pleine gueule. C'est pas ça? Je peux me barrer? Je peux reprendre la... Qu'est-ce que je peux faire? Excusez-moi. Je sais pas ce que je dois faire. Excusez-moi. Ah, en fait, il fallait que je prenne la bombe nucléaire avant de foncer sur la météorite. C'est en fait ce que j'ai fait. Dans le plus grand des calmes, je suis montée sur la météorite et puis j'ai attendu. En fait, il s'est rien passé du tout. Et je suis tombée sur la planète avec la météorite, donc ça a servi complètement à rien. En fait, il faut que je prenne la bombe nucléaire et que je la fasse exploser sur la météorite. Je me disais aussi que c'était un peu bizarre. Merde, je suis complètement... perdu du temps de ouf là. Allez là, bouge-toi, bouge-toi, bouge, bouge, bouge. Voilà. Excusez-moi. Voilà, on prend la bombe nucléaire. Voilà. On bute le mec, on lui prend son arme et c'est parti mon kiki. Vous inquiétez pas les gars, je fais ça pour vous. Je suis quelqu'un de bien. Écoutez-vous, ouais, je sauve le monde. Excusez-moi. Pardon, c'est pour sauver le monde, toi tu dois te sacrifier pour la planète. Allez, c'est parti! On fonce sur la météorite! Ok. Et maintenant, on a juste à cliquer là-dessus. Et on fait comme ça. Ah oui! Et voilà, on a sauvé le monde! Mon fils, c'est incroyable que tu aies réussi quelque chose que même le Pentagone n'a pas réussi à faire. Ce que tu as fait est fantastique. On aurait dit Bruce Willis dans Armageddon. Ouais, j'ai un petit air. Et c'était cool, mais j'ai pas lu, bordel. Tu as sauvé la Terre, je ne savais pas que tu étais si responsable. Tonton, tu m'as donné envie de me sacrifier pour l'humanité. Je vais devenir un héros qui se sacrifie pour le bien de tout le monde comme toi. Oui, bah, il le fait pas sans raison non plus, hein, petit... Donc là, on va faire la fin gros bâtard. La fin gros bâtard, c'est la fin où on doit tuer tout le monde. Mais pas juste taper, hein, tuer. On tue, on tue, on tue. Donne-moi ta batte, voilà. Toi aussi, je vais te tuer, voilà. Eux aussi, je les tue, hop. Hop. Toi aussi, pétasse. Hop. Hop, hop, toi aussi petite fille fragile, hop, hop, toi aussi, allez, hop, on n'a pas le temps. Ok. Le chien, on le laisse tranquille, il a rien fait, l'humain non plus, mais c'est pas grave. Hop, je bute tout le monde. Ok, toi je te bute, toi je te bute, toi je te bute, toi je te bute. Ah, obligé. Ok, toi je te bute. Toi je te bute, toi tu me vois buter des gens et tu fais rien. Putain, j'aurais peut-être dû commencer par là. Donc voilà, alors est-ce que ça va marcher? Mon fils, est-ce que tu es fou? Pourquoi as-tu tué autant de gens? Allô, police? J'ai un fou ici, venez l'arrêter, s'il vous plaît. Tonton, la Terre allait être détruite de toute façon, tu as tué tout le monde. Tiens, raison, un jour je mourrai aussi et peu importe si tu me tues ou si je meurs tout seul. C'est comme ça qu'on tire au pistolet? C'est comme ça qu'on frappe avec une batte de baseball? Je serai super meurtrier plus tard, comme toi! Oui. Ah bah merde!
le gamin, il est emmené en prison. Il a rien fait, mais c'est pas grave. Meurtrier gore. Alors, oui, alors déjà de base, pourquoi on montre ce genre de choses à un enfant? Je me le demande. Alors, on va sur la dernière, l'avant-dernière. Donc, où on doit tout simplement rien faire. Juste être paumé pendant 60 secondes, comme ça. Réfléchir à la vie. J'en profite donc pour vous parler du concours que je fais sur Instagram pour fêter mes 400 abonnés, où je vous fais gagner deux lots. Je vous mets la photo du premier lot là, et la photo du deuxième lot là. Si vous voulez participer, il suffit d'être abonné à mon compte Instagram, de liker, de taguer deux personnes, et pour avoir une chance supplémentaire, être abonné à ma chaîne YouTube. Mais comme vous l'êtes déjà, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller en barre d'infos, le lien y est. Donc nous voilà sur la fin, juste respirer. J'ai pas vu de fin, mais je l'ai eu. Ok, donc là, on va faire la fin héros, ou qui consiste à finir le jeu avec de l'amour et de la paix. Pas de violence du tout. Que de l'amour et de la paix. On ramène ce joli caniche au joli molos. Ok, on va chercher la bombe nucléaire ici. Voilà. Et on va sauver le monde, et plus vite que ça. Excusez-moi, pardon, je sauve le monde. Ouais, tout le monde ne le fait pas apparemment, hein, y a que moi pour ça. Ok, et là on fait un bisou à la nana. À la nana qui va nous frapper et qui va nous suivre parce qu'elle a la haine contre nous, qu'on l'a embrassée sans sa permission. Et on la ramène au mec, il va kiffer parce qu'elle est bonne. Voilà, et nous on passe et on n'a eu aucune violence, pas obligé de tuer pour passer, voyez-vous. Et là, ok. Et là, on met la petite bombe nucléaire. Et on fait... On a sauvé le monde et tout ça sans aucune once de haine à part sur la poubelle. Mais bon, elle était sur mon chemin. Et donc, normalement, c'est la dernière fin. Mon fils, le fait que tu aies sauvé le monde comme un héros est fantastique, mais... J'ai eu l'impression bizarre que tu n'étais plus mon fils. Ah merde! Genre, t'étais tellement bon que j'ai du mal à croire que c'était toi. J'ai eu l'impression que je regardais un jeu vidéo avec un super héros comme personnage principal. Est-ce que tu es toujours le même petit ami? Est-ce que tu as déjà fait ce test plusieurs fois auparavant? Non! Tu n'as pas fait tout ça pour me plaire quand même! Oh non! Tonton, t'es trop cool! Moi aussi, je vais devenir quelqu'un qui se sacrifie face au danger. Et voilà. On a fini avec la plus belle des fins. Ah! Comme on a fait toutes les fins, on a un petit 3 points d'interrogation. On va cliquer dessus plus vite que ça. Bienvenue, je suis le docteur. Ok. J'apprécie vraiment que vous ayez joué à ce jeu jusqu'à la fin. Merci. Avant de finir, j'ai trouvé quel type de personne vous êtes. Notre toute dernière technologie nous a permis de trouver quel type de personne vous êtes. Merde, on va me démasquer. En analysant votre façon de jouer. Croyez-le ou non. Croyez-le ou non. Vous voulez le voir juste pour le plaisir? C'est intéressant. La première fin que vous avez débloquée était... J'ai tué des gens. La fin meurtrier. Cela nous dit que vous êtes normal. Vous envisagez les jeux pour ce qu'ils sont, des jeux. Donc, vous pensez qu'il faut juste en profiter. La deuxième fin que vous avez débloquée était... Suicide collectif. Malgré le fait que votre famille était en train de vous regarder, vous avez appuyé sur le bouton nucléaire. Vous êtes vraiment curieux. Vous avez juste appuyé sur le bouton par simple curiosité. Vous voyez le jeu pour ce qu'il est, un jeu. Eh bien voilà. Merci de ne pas prendre cette analyse au sérieux, c'est juste pour rire. Je m'imagine souvent notre vie comme une réalité virtuelle à la Matrix. Est-ce que ça change quelque chose si c'est la vérité? Il est temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir joué à ce jeu. Eh bah de rien, c'était cool comme jeu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, il était sympa. C'était un petit jeu sympa où on a bien rigolé. Enfin bon, en tout cas, je me suis bien marrée. C'était pas prise de tête, pas compliqué du tout, juste comme ça, pour le fun. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez rigolé avec moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo pour me soutenir, à me suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas, il y a un concours sur Instagram, hein, n'oubliez pas. Et bien sûr, à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici, appuyez, vous allez voir ce que ça fait. C'est pas la bombe nucléaire, je vous promets. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !